salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur E4 avec Bruda, Fardarin et Lessing, comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va très bien. Je vois qu'on triche, on échange les sièges, on se fait ses petites paix séparées, tranquille. Bah ouais, c'est le jeu, c'est le calcul. D'ailleurs, vu que tu parles de la paix, bah je vais lui prendre 384 balles plus le cap vert. Oh, le tricère. Voilà. Allez, il faut qu'on refasse les petits sièges du coup. Vitassin, le temps de vous remettre dans le bain. On se redéploie. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire deux choses. Et un grand merci au signe. Vassaliser la grande horde et ensuite je vais aller attaquer des bons chrétiens catholiques, hein, mais ils sont à ma frontière. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Jeanne prendra des baffes. Le Danemark. Ah non, c'est pas lui. Ah, il faut dire que Jeanne, il est sans. Enfin, il se prive pas. Oui, voilà, hein. Il s'est servi chez moi, donc je vais me servir chez lui. Jeanne est effectivement sans Jeanne. Et il est en guerre contre la Bohème et la Toscane. Ce qui laisse présager de rien de bon pour son avenir. Oui, très à mon avis, il va prendre tarif. Écoute, moi je pense que je vais m'occuper de vassaliser Verdun. Yes. Ça me fera un petit pied dans le Saint-Empire. Un bon gros pied quand même déjà. Tu vas vassaliser quoi? Verdun. Oh, j'ai été excluée. Stade et Verdun. Mais ça va pas te faire une énorme coalition, ça? Il va te faire une par une. Oh, tout de suite, la coalition, quoi. Ça me fait 16 de d'expansion agressive seulement. Oh, ça va. Ça va, c'est tranquille. Bah ouais. Pourquoi je me priverais, quoi? Clairement. Une bonne nouvelle, le Portugal. Je peux enfin faire des dons. Ouais. Alors après je viens de payer un emprunt, donc faut attendre quelques mois. Voilà. Hop, ça c'est fait, j'enlève la pause. Hop, on finit de siéger lui. Ah mais il y a un truc pas siégé là. J'ai pu extrêmement discrètement mon petit. Bouge-toi, en plus il est en train de le convertir au protestantisme. Mais bouge-toi, va plus vite que ça. Assiège-moi ça, vite. Ah, monopole sur le vin, je l'avais pas vu. Ça rapporte rien, mais ça fait des points. Apporte rien, le mien je crois qu'il me rapporte 500. Quoi? Moi ça me rapporte 0,52. Merde. Ah ouais, il y a moins de 20 chez toi. Il y en a pas beaucoup du pinard dans chez moi. J'ai une province qui est du pinard. Ouais. J'ai principalement des vaches. J'ai beaucoup de vaches et j'ai beaucoup de blé. Il me lourde lui. C'est chouette, t'as plein de vaches. Tout se recours, toi. Est-ce que tu te sens prêt à faire une guerre, Slan? Non. Et on va aller s'occuper. Bah, il va falloir que tu te dépêches quand même. Ouais, c'est quand la... Merde. Contre l'Aragon. Wouah, la vache, la Suède se propage dans la capitale. Combien d'hommes? Alors. L'Aragon, c'est 30 000 avec. C'est 28 000 l'Aragon. Ça, on peut payer ça. Ah, 20 000 la Toscane, c'est 48 000 en tout. Ouais. Alors. D'accord, je vais embaucher 30 000 mercenaires. Personne. Mais c'est tout. Après, c'est pas là dans le mois. Hein. Faut que j'attende que mes troupes surfassent quand même un peu. J'ai plus de réserve. Ça marche. Le signe, à chaque fois qu'il a la grippe, il m'empoule. Ouais, bah là, c'était payé 300 balles, alors excuse-moi. Hein. Oula, oui. Oh, tu vas te les refaire en défonçant l'anglais. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pris ce truc-là. Sinon, c'était un de stab ou 100 points admin, je crois. Allez, on va venir faire un petit blocus pour accélérer le siège là. Yes, colonie terminée. Alors, ça c'est en guerre, ça c'est en guerre. C'est quoi ce pays? Haute Geld. Hein. 433, c'est cher. Yes, plus 40 points de chaque, oui, c'est bon ça. Prendre celui-là et puis les gardes suisses peut-être. Quoique, quelqu'un qui aurait un bon général, il n'y a pas. Peut-être prendre ces deux-là, Compagnie Franche et... Ouais, l'Angleterre veut une paix, mais j'aimerais bien essayer de prendre quelques autres trucs ailleurs que chez l'Anglais. Après, on peut rester à Pille, Londres. Hein. Non, y a rien à Pille, Londres. 433 pour la première. Moins 28%. Il a 7 canons. Compagnie Noire, 7 Très canons. Bien. Ça rigole pas. Allez hop, c'est parti. Je vais prendre ceux-là. Ouais, alors améliorer les relations avec Venise, je suis pas sûr que ce soit une priorité.
Ah, c'est 600. Oh là 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 là. Combien par mois? 20. Ah bah la suite, tu me l'as envoyé jusque chez moi. Bah désolé. C'est beaucoup trop tard. Sinon on pourra le virer. Vers nos bonus dans 3 ans. Toc. Allez, moins 7%. Qu'est-ce qu'ils veulent? Du professionnalisme? Et je paye? Ils rigolent quoi? Guerre des paysans en Moscovie. Terrible. J'ai pas payé pour que ça me monte ma stabilité, c'est pas pour payer pour du professionnalisme. Ah, guild revue, une paix. J'avais la main sur la touche entrée, j'ai validé quelque chose. Tu me files ton territoire ou pas? Ouais, tu me files ton territoire. Parfait. Tu me files de la thune? Non, tu vas pas me filer de la thune. D'accord, quand je fais moins, ça fait plus. Parfait. Mais si tu fais plus... Bon, là... 24 d'expansion agressive. Mmh. Ça va. Je veux pas piller la capitale. Ouais, parce que je prends la province. Tu m'as dit que c'était Toscane hein, qu'on allait attaquer, c'est ça? Non, c'est l'Aragon et il y a la Toscane qui vient. Est-ce que c'est vraiment parfait. Utile? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que c'est vraiment utile? Tu peux me rendre un grand service hein? Ouais. Pas sûr. C'est ce que je te demanderais essentiellement dans cette guerre, en plus des deux petites provinces d'Arborée et de Calère, c'est surtout lorsque tu vas relâcher la Toscane, de lui faire. Enfin, lorsque tu vas faire la paix avec lui, de ne pas la faire trop tôt, d'attendre pour lui faire relâcher toutes les petites cités-états possibles. Comme ça, je pourrais éventuellement les inviter dans ma ligue. Alors, une coalition contre nous. De la Toscane, tu veux dire? L'Angleterre la pour rejoindre ouais. Une coalition tout seul contre nous. Oh bah, ça me paraît acceptable. Est-ce qu'on peut prendre Londres? On peut prendre Londres. Oh, je suis en train de refaire mon... remonter mon armée à 29, et après, je vais la repayer. Tu peux prendre un truc de plus. Alors, Boudaf, pour la dernière guerre, je t'envoie ton paiement. Mmh. Voilà. Parfait, merci. Un sens et je t'envoie à nouveau 200 en plus pour que tu fasses le fort de ta filalette Dra ou Saoura. Attends, t'as fait quoi? Je les ai déjà dépensés dans autre chose en fait, mais le je te renvoie 200 en plus. Oui, mais sauf que là j'ai déjà dépassé 400 donc j'aurais pas les 1000 hein. C'est pas 1000, c'est 200 un fort. Ah mais j'ai déjà fait, j'avais fait avant que tu me payes. Allez hop. Ouais, bah, je te rembourse. Voilà, j'ai un peu de pognon, c'est parfait. L'Angleterre est à terre. Débarqué en Northumbrie. Le me demande l'accès pour attaquer le. Comment ça s'appelle? L'Ottoman. J'accepte parce que ça veut dire qu'il va faire relâcher des trucs. Ah, j'ai une mission pour aider le Teuton. Il faut que je sois catholique et que j'ai le modificateur contre-réforme. Ça paraît pas mal. Allez, je suis remboursé. Bon, et sinon, le pape, tu lui fais son sort quand, Slan? C'est vraiment dans longtemps, hein, déclarer la guerre. Il a 58 000 hommes. Si on coche la Toscane, tu auras le pape dans la guerre. J'ai pas dit qu'il fallait la cocher. J'ai dit qu'avec les 100% de score de guerre contre lui, t'attends qu'on ait 100% contre lui et tu fais relâcher tout ce que tu peux. Oui, mais si tu voulais attaquer l'État pontifical, on pourrait le faire dans cette guerre-là. Mais il y aurait la Bohème avec aussi. Ouais, mais pour que ce soit intéressant, il faudrait cocher le pape. Donc, ça commencera à piquer un peu. Je comprends. Ah, mais pourquoi pas? Alors attends, on va réfléchir. En fait, on va réfléchir. Si tu coches le pape et la Toscane, on a combien de milliers d'hommes en face de nous? Alors... On a 150, un peu plus de 150, 27, t'inquiète, 151. J'arrive la pause. On va commencer. C'est bon, tu m'as calmé. Donc je coche pas la Toscane? Non, non, tu la coches pas, tu rigoles quoi. J'ai une autre guerre contre le Mamelouk, j'en ai une tous les 15 ans. On se calme. Toi. Il y a Genève qui veut pas venir dans la guerre si j'attaque Gênes. Karakoyanlu rentre dans ma ligue commerciale. Je cherchais pas à comprendre. Voilà qui est sympathique.
Allez, on va aller réparer la flotte dans le port de Londres. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Lunebourg m'appelle pour la conquête Lunebourg de Wismar. Ouais, go. Non mais t'es vraiment allié avec des pauvres merdes. Écoute, hein. Pourquoi tu fais des alliances, hein? Bah en fait, l'objectif c'est de les vassaliser, hein. Soyons... Ah! Bah bonne chance. Attends, je crame des points parce que j'en ai trop, excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que t'auras le bonus à alors défendre là, notre territoire. Si tu fais ça. Ouais, mais si, parce que j'étais à 999, donc du coup, je l'ai perdu. Aragon, super! Je vais pas du tout t'excommunier quand tu vas lancer la guerre contre Aragon. Mais pas du tout! Jamais, jamais, jamais. Une petite guerre en plus, Lucine, tu veux ou pas? Ouais, contre qui? T'es prêt, Shlan? Oui, moi, je suis prêt. Je vais attendre encore. Non, je suis prêt. Fini, ça. Alors, attends. Hop! Contre Gênes, bah c'est parti, allons-y. Je te coche. Ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est en cours, ça c'est en cours, ça c'est fini. C'est parti. Refusé. Donc toi... tu reviens. Et tu vas aller... ici, expulser... Holstein. Et toi, tu vas là. Go. Ah bah dis donc, toutes les armées de Gênes, elles sont juste là. Il y a des risques qu'elle meure très rapidement. Ah mais par contre je suis dégoûté, le Castillan. Alors, il est pas du tout en train d'annexer Naples là. Tac wipe de l'armée de Gênes. C'est le drame, c'est la tristesse. La Suède est en mode vénère, on va la mettre en mode agressive. Super, il y avait 20 000 Toscans qui sont sur ma forteresse à Milan. Ouais, j'ai vu. Alors j'ai vu un truc intéressant quand même, quand les guerres seront terminées, c'est que la Suède est à 200. 200, ah, tu vas l'intégrer. Mais écoute, oui, ça me paraît... Mais fais gaffe, t'as peut-être le plus 25 de la paix. Continue à augmenter tes relations avec lui. Ouais, j'ai le plus 25 de la paix, ouais. Je sais. Paix. On répète mes âneries. De la guerre. Reviens-toi. Ah, mais Gênes est aussi en guerre contre Toscane, d'accord. Oui, Gênes est en guerre contre Toscane depuis tout à l'heure. Ça, c'est le Teuton qui fout sa merde. Ah non, contre Toscane, c'est pas moi. Hein. Bah voyons, genre Gênes, ouais. Il a deux guerres. Ouais, bah je profite. Tu sais que là, il va lui faire relâcher plein de trucs, il va le défoncer. Hein. Parce que le Toscane, il a 95% dans sa guerre contre Gênes. Oui, mais lui, il veut juste le territoire génois. Sauf que s'il a pas siégé des trucs, ça va, il a tout siégé. Parce que les trucs qu'il avait pas siégé, ils étaient à deux doigts de se faire relâcher, en fait, c'est ça. Maintenant, on a des revendications sur toute l'Angleterre. Oh, bah ça va. Oh, l'autre, il a déjà toute l'Angleterre. Quand je pense franchement, que j'ai toute l'Angleterre. Même pas de coalition, quoi. Tu te parles la Cornouaille, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais non, mais en fait, j'ai réussi mission qui m'a donné automatiquement un casse-belli sur toute l'Angleterre. T'aurais pas une petite armée que tu pourrais aller mettre directement en Ibérie par hasard, Shlan? Non. Shlan, une armée. Il a autant que moi une tech d'avance. Oui, bah tu restes sur tes montagnes. T'as qu'à faire le portugais. Allez. Ah, il a plus que moi là maintenant, il est en train de faire plein de troupes. Tuck. Ah, les bâtiments, c'est ouf. Là. Ouais, je t'avais dit 30 000. Oh, salaud! Oh, le traître. Ah oui, mais ça va pas marcher. Là. Du coup, ça l'a. Un peu juste, mais ça va. Alors, comment ça se passe ici? C'était pas censé être un allié de. Alors, ça, par contre, ça peut changer la donne. Ouais, il y a aucun des alliés de Gênes qui est venu. Ouais, non, mais il y a un des pays contre lequel je me bats qui, je croyais, il me semblait que c'était un de tes alliés. Ah, non, j'ai cassé une certaine alliance. Ok. Il me servait plus. Et j'ai 5 mecs en trop. Alors, attendez, il y a un soulèvement, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est ici. Ça, c'est une colonie, ça. Go.
On a 3 colonies en cours, très bien. Il y en a qui ont vraiment les moyens. Il s'est fait tellement plaisir. Élection. Il est en train d'aller. Il est en train d'aller sur ma capitale. Oui, bah c'est pas grave. Vous êtes à armes égales. S'il va sur ta capitale, tu le défonces. Bon. Non, il a 5000 de plus et une tech d'avance. Je pense que ça va passer. C'est un bon général. Bof. 3-1. Pourquoi t'es 21 toi? J'avais fait en sorte que tu sois 20. Ah, t'as une galère. T'as récupéré une galère, je ne sais où. Lego. Moi, clairement, le Toscan, il a encore 20 000 hommes, donc je peux pas me séparer. D'accord. Il est déjà à moins 21, le siège, il y a quoi comme général, lui? Ah si, il m'a donné ça. 1, 2. 1, 2, 2, 1. Ok. Oui. Bonjour, Saint-Empire, ça va? Tu te sens bien? Lunebourg qui me file des trucs. Revendication d'un territoire illégal. Non! Non, si je t'envoie protégé de commerce. On va continuer de s'entraîner si on n'a pas besoin de nous finalement. Combien on monte? On est à combien de limites de bateau là? 84 sur 72, ça va. Ça va, Gênes? Tranquille, il ne reste plus que deux provinces à assiéger. J'envoie 25 000 hommes. Tu veux que j'aille faire un tour en Europe pour le finir? Ah non, il est pas. Bon. Non, il est isolé, il a même plus de port. Il a plus rien là, il est fini. Bah disons que Gênes, il a perdu Gênes, donc. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Fatalement. Oh, il passe de 7% à 21 quoi. Traduction de la Bible. Tu l'as pas attaqué sur ta capitale? Non, pour l'instant je l'ai esquivé, j'ai pris la cible de guerre et là je retourne dessus. Ok. Bon, bien. On va dire que c'est des hérétiques. Et t'as pas vraiment le choix, hein. Moi, Ouais, je sais. Il a autant d'hommes que moi autour de moi, je suis en train de faire des sièges, donc je suis vraiment en danger. Maintenant, tu nous aimes bien, toi, on s'en occupera plus là, tard. Là, mais 13 000 hommes à Florence. Il a déjà pris la capitale, quoi. Ouais, bah oui. Fallait pas traîner pour y aller attaquer. Quoi, tu l'as attaqué? Bah, non, avant Attique. Je l'ai eu sur la province d'à côté. Après, je lui mets mal. Oui, mais il faut quand tu attaques, quand il est en train de siéger, il faut que tu regardes le tic. Dans combien de temps il va avoir son tic, et il faut pas attaquer juste après un tic. Il faut que tu arrives avant le tic suivant. Ça passe. Ouais, ça passe. Hein. Bon, en général, il est un peu à chier, par contre. Reste sur place. Mais le sien est encore pire. Bon, bah écoute, bravo. Tu peux faire péter tes points militaires pour avoir de la manpower maintenant. Ouais, ça c'est clair. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ça. Après la manpower, je gagne 3000 quand je la fais péter, donc c'est pas forcément super intéressant. Quoi. Allez. Ah, je vais remporter le siège de Florence. Ça va changer un peu la donne. Ouais. Alors moi je perds de l'argent là parce que je suis en train de contrôler le nœud de Gênes avec mes bateaux. Parce que j'ai une mission qui me demande de contrôler Gênes et de contrôler le commerce. Et je me demande si occuper la capitale ne suffira pas. Je pense que ça va suffire si je contrôle la ville. Enfin ma mission. Et en attendant Boudave, parce que là tu vas pas t'en sortir, il faut que tu prennes des mercenaires. Ah ouais, il est en train de se convertir au protestantisme. Ça va, j'ai de la thune. Ils sont où? Ah, il m'a filé un foyer de la réforme, le fumier. Ah oui, en même temps, ça. Jalousie navale, 351. Je viens d'envoyer 400 à Boudaf. Le jeu me rembourse 351. Moi, ce serait plutôt du genre, j'envoie 400 et le jeu me demande de payer 400 juste derrière. Quoi. Juste dans la foulée, ouais. C'est normal, ça. Ah, moi, il me ferait juste payer 400, quoi, c'est tout. J'ai besoin de rien faire, il me fait payer. Bon, et puis Boudaf, là, normalement, je vais défoncer la Toscane très bientôt. Surtout qu'il y a le Lord Teutonique qui est en train de. Qui est venu sur place. Hein. Bon, le Teuton, voilà. Va falloir faire quelque chose contre les protestants, par contre, là. Parce que bah, écoute, ça va moi, pas j'ai être pris possible, 24 000 mercenaires, donc je devrais pouvoir lui casser la bouche. Si j'attaque dans l'Empire, l'Autriche, elle va pas trop kiffer. S'en fout de l'Autriche. On lui marche dessus, l'Autriche. C'est quoi l'Autriche? C'est 48 000 hommes avec quoi? Une doctrine offensive? Franchement. Ah, les monopoles sont revenus. Allez hop, plus 2000.
Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? On va rembourser quelques emprunts. Non, on va investir. Que ça a fait, ouais, ah, par contre, je peux faire les trucs de ma... Quand, dès la fin de la guerre, mes bateaux, on le chope, on l'intègre. Bon, il m'a tué un bateau de transport, ça va. Tu t'en sors avec Jeanne? Ouais, ouais, je suis déjà à 14% de siéger sa capitale. C'était pas facile d'aller jusque là-bas, j'avais un peu tous les Balkans à traverser. Ah oui, du coup, tu as été à pied. Il est arrivé 4 ans après être parti. Moi, je veux dire ça, mais juste en dessous, il y a Venise qui fait un siège. Hein. Il aurait pu te filer le trajet, j'aurais été en bateau. Ça c'est fou, je leur ai dit non pour le professionnalisme, mais on m'en donne 3% quand même. Du coup t'as le blé et le professionnalisme. Mais file ton professionnalisme, file-le. En plus 3% ça sert à rien, hein, s'ils croient que je vais prendre deux généraux pour augmenter ça. Deux généraux. Mmh. Ou allez, je les prends. Le cygne, la bohème, tu l'aimes toujours parce que c'est une sale protestante. Quoi? Au bûcher. Protestant. Est-ce que... Ouais, mais du coup, si je suis... est-ce que c'est une excuse pour briser l'alliance? C'est ça la question. Toi qui vois. Capitale contrôlée par Venise. Non, j'ai un mariage bon, royal avec pas. Elle. Je le ferai sauter dès que le mariage l'aura pété. Alors, je vais regarder Toscane. Si je fais une paix à part... Genova... Combien je prends de purée? 41%. Bon bah je vais prendre... Faut faire c'est... comme moi, tu prends des bonus et t'as moins 60% de réduction d'expansion agressive et tu peux prendre toute l'Angleterre plus détruite dans le Saint-Empire, tout le monde s'en fout. Ouais bon... Tranquillou bilou. Faudrait que tu voulais rien de Toscane. Bah oui mais ma mission elle marche pas quand je contrôle le truc. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est ça. Ça, on a dit, on pourra pas le faire, malheureusement. Découvrir le nouveau monde. Avec coloniser la Colder, on peut pas le faire. La scène européenne. Grande puissance. Ah, elle va venir, cette putain de troupe, là? Wouah. C'est méchant, de troupe. C'est quoi, cette mission? 50 points de démonstration de force, il faut que j'influence un niveau de total de développement de 200. Ouais, ben... Alors, ouais, mais non. Influence l'ordre teutonique. Je peux pas, c'est une grande puissance. Non mais ouais, pour le coup, je vais commencer à être un peu bloqué vers les missions, là, malheureusement. Allez, ouais. Prends-toi ça dans les dents. Il me dit que si je prends Gênes, j'ai pas une grosse coalition ottoman, Crimée et Gênes. Ouais. Bah, yes. Dans ce cas-là, tu me donneras Gênes, si tu peux, dans la paix contre Toscane, et tu lui fais relâcher tout ce que tu peux avec le reste, tu pourras probablement pas lui faire relâcher beaucoup. Tu veux que je simule la... Attends, je vais simuler la paix, je vais mettre pause. Je vais regarder ce que je peux. Alors, tu veux quoi? Tu veux Gênes et tu lui fais relâcher tout ce que tu peux, mais attends qu'il soit à 100% de toute façon, hein, parce que... Donc, relâcher, accorder l'indépendance. La Corse. Après... Très bien. Lux est très cher. Ah, tu viens de passer tech 10, toi. Savoie. Ouais, très bien, Savoie. Voilà, je peux faire relâcher que ces deux-là. Ouais, mais on n'a pas 100% encore contre lui. Oui, mais même, c'est 20 et d'accord. 19%. Oh, ouais. Ça marche, super. Donc plus Gênes et on peut lui prendre des thunes. Protestantisme. Et tu peux déjà la faire, la paix, là. Ou pas? Alors attends, là c'est 77, voilà, on peut... alors les thunes c'est pas terrible, hein. C'est 70 ouais, c'est balles. C'est pas grave. Par contre, t'as pas oublié de me donner Gênes, c'est Gênes plus de relâcher. Oui, Toscane, 7 Genova à Venise, et relâche Corse et Savoie. Bah laisse traîner un peu pour la paix, parce que je suis en train de faire un siège, autant que ça serve à quelque chose. Ouais, comme ça on aura un peu plus de sous. Bah déjà là je prends la Corse, donc hop. Oh, 2% de professionnalisme. Cadeau. Bah, je viens de prendre mes généraux, donc non merci. Ça me faisait payer mes mercenaires. Voilà, 100%. Ça, c'est beau. Genre, il insiste pas, le jeu. Tu veux du professionnalisme? Non. Mais là, je t'en donne gratos. Bon, ben, je le prends. Et là, t'en veux? Moi, il me fait arrête rien, ça. Arrête. Hop là. Alors, reposer toutes les provinces, commerce asiatique, convertir un autre pays, fonder un empire colonial...
Ça va, Boudaf, tu gères? Oh oui, tranquille. Ouais. Ça pourrait être très très probant. Bon, je te devrais 400 de moins quand même. C'est normal, je paye pas pour faire tes guerres. Mmh. Allez. Ça. Voilà, Suède. C'est une affaire rondement menée, ça. Intégration de la Suède, c'est parti. Et moi, je vais récupérer le territoire. Hop là. Enfin, mes ordres, ils ont... 43 pour terminer. Ça fait tellement mal. On a tellement pas de points. On a tellement zéro point. Allez, en focus. On va foutre. Ça bouge. Puissance démissionnaire, plus 1. Tolérance vers les hérésies, moins 1. Bah, il va dire. Moi aussi, tiens. Il va me reposer. Là, je pense que tu dois pouvoir faire la paix. Je peux faire une paix pas à 100%, mais où on prend quand même... Attends, il y a une bataille navale en cours. D'accord, ouais, c'est pour ça qu'il voulait plus du tout. Voilà. Bien toi, fini. On va travailler un peu sur l'inflation. C'est fini. Alors attends, une petite pause. On va sortir Toscane. Tranquillou. Oh oui, j'aime bien cette paix. 440 et balles. Je vais lancer l'intégration de Tchernigov. Et moi, je vais lancer l'intégration de la Suède. Pour moi. Ben voilà. La Scandinavie est sur les rails, ça y est. Ils ont oublié qu'on avait étranglé, égorgé et mis à mal quelques nobles. Que de toute façon personne n'aimait. Sérieux, t'as pas de droit de passage ? Que c'était. Il y a un modificateur pour 54 de dev, je vais peut-être en faire un état ça. Afflux dans la colonie, ok. Alors j'ai besoin de quelle province moi? Un diplomate de Moscovie a été découvert. Saragosse, Barcelone. C'est franchement pas gentil. Ouais, comment ça ressemble à quelque chose l'Angleterre? Oh là là, il a eu un soulèvement l'anglais de chaque côté de Londres. Je suis vraiment désolé pour lui. Malheureux. C'est terrible. C'est terrible. Il est coincé d'un côté. Le pauvre. T'as eu le droit de passage? Oh, puis non, finalement. Il va peut-être me le demander. On ne sait pas. Bon, il me fait quoi là? Allez, ça on va le faire. Oh non, 48%, t'es sérieux? D'ailleurs, j'aurais pas été vraiment 48%. Non. Oh non, on a rien eu avec la dernière guerre, bah non. Bien sûr. Il nous donne rien le teuton, il gagne tout pour lui, c'est bien connu. Ah attends, t'as pas reçu? Ah bah oui, non, mais t'as pas participé, c'est pour ça que t'as rien reçu. Ouais, non, là j'ai rien reçu, là j'ai vraiment rien fait. Là. Ouais, on a rien eu, mais en même temps, t'as rien fait. Non, je regarderai ça après. J'ai envie de te dire, c'est logique. J'ai même pas vu de tes troupes te monter. Je te file la Sardaigne. Hein. Voilà. Non. Oui, la Sardaigne, oui, mais pas la Sicile. Oui. On en est où de nos utilisations? Parce qu'elle appartient à Naples et j'ai toujours l'espoir qu'un jour la Castille se mette à. Mais bon. Oh. On verra. Dommage. Bon, il est reparti siéger ma capitale. Ah, bah oui, mais non, la mais sienne. Est non, je m'en occupe. Ouais, voilà. T'en occupes? Ok, bah je vais siéger les provinces. En plus, sa capitale, c'est tombé. C'est parfait. Non, je m'en occupe pas. J'ai que 24 000 hommes. Oxford. Faut que tu viennes avec moi. Ouais, je t'envoie mes mercenaires avec toi. Voilà. Et tu laisses. Ah, c'est des mercenaires, toi? Londres est désormais légitimé. Ouais. Donc, bah, une fois qu'il a plus de troupes, je les vire. Je laisse passer devant, du coup. Après, c'est des mercenaires qui prennent pas le choc, hein. Oui, mais c'est les mêmes, moi. Et puis, moi, j'y tiens, je veux les garder après. Ah bah non, ouais. Les paysans, ils traversent pour aller de l'autre côté. Ils sont cons. Bon, comme les poulets. Paris-Bataire, les batailles. Ils sont où, mes bateaux? Ah, ils sont là. 100 points de mille, 150 points diplo, 50 points militaires. Et tout le monde m'aime bien, en plus. Bah, arrête d'être méchant. Alors grâce à nos intérêts communs, oh, okay. Ouais. Mais ouais, oui, les fameux intérêts communs du Danemark avec le Saint-Empire, c'est bien, le défonçage bien connu. De pouvoir aragonais.
Bon bah les doctrines d'espionnage c'est terminé. Bravo. Ouais. Et tu vois, j'aurais quand même réussi à lancer mes colonisations sans la doctrine, Slan. Je suis sûr que tu l'avais pas vu venir. Si. Menteur. Ça fait genre 3 semaines que tu me le dis que tu vas faire ça. Je t'ai jamais dit. J'ai parié avec toi que j'arriverai plus tôt. Ouais. Bon, en même temps, t'as tellement attendu que tôt ou tard, t'allais finir par avoir la vue, hein. T'as juste attendu que la vue se dégage, quoi. Non, c'est pas vrai. J'ai forcé. Un peu quand même. J'ai forcé. J'ai utilisé le fort peu utilisé, le fort peu usité vol de cartes. Ouais. Mais voler des cartes. Tu voulais pas me les donner. Ah, je viens de faire une belle bataille. Qui voyait là-bas. Fallait regarder ma vue, hein. Ah, punaise. C'est tenté. Ça m'a coûté cher, hein. Il m'a fallu un mec chez toi en permanence à monter à 50. Il se faisait détecter tout le temps. Mais j'avais pas l'info, en fait, de ça. Normalement, bah, si, détecté, à chaque fois qu'il se faisait détecter... Tu devais avoir une pop-up, un diplomate danois a été détecté en train de faire un truc. T'as jamais fait gaffe. Ah, c'est clair. Bah, il va falloir qu'on arrête l'épisode d'ailleurs, Slan. Ouais. Non. Et si. Non. Allez, c'est terminé. C'est la bon, fin. Bon, bah, on a bien avancé. J'espère que. Alors, attends, quand même, tout petit bilan. L'anglais, je veux le montrer. Voilà. Ça, c'est beau. Et le teuton. Oh, le purée de teuton. Ah, il commence à envoyer du rêve, le teuton. Hein. Ah, le teuton, ouais. Ah, ouais, il vend du rêve. Hein. Ouais, allez. Je crois que le teuton va bientôt aller attaquer un ottoman. Oui, histoire de dire quoi. À prendre. Moi, je l'attaque dans 2 ans. Ouais, un peu moins de 2 ans. Vous savez quoi, juste pour la fin de l'épisode, voilà. Nos CPS. C'est la guerre. C'est parti. Allez voir la vue du Singh. Allez voir la vue de Ardarine sur la chaîne 119 et plus. Et surtout, si vous voulez me retrouver avec Bodaf, c'est juste après le générique. A plus tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.